patia curtal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensen mai no podrem caminar. Si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més àmplia, més gran. Vens fer-se que està podrida, però és que si se't costa tant, ja cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba. Bonjour, je m'appelle Valentine Garcia, j'ai 16 ans, je viens de Perpignan, je suis à Saint-Louis et je suis une habituée des clubs presse et tout ça, et cette année je fais une résidence photo avec le service jeunesse et le CIP. Je m'appelle Maria Suarez, j'ai 14 ans et... Donc, je m'appelle Yom Langrand, j'ai 14 ans, je viens de Perpignan. Et je suis venue ici parce que j'adore la photo et que j'aimerais peut-être faire ça plus tard. Alors, je m'appelle Milena, je viens de Perpignan et j'ai 16 ans. Je m'appelle Marine, j'ai 15 ans et je viens de Perpignan. Je m'appelle Chérine, j'ai 15 ans, je suis lycéenne. Alors, bonjour, je m'appelle Lyon. Je suis en terminale au lycée Jean Lursa. Je suis une adepte. Je fais souvent le club presse, le club photo. Je m'appelle Natacha, je suis en terminale et ça fait 3 fois que je participe à des stages comme ça. Bon, de la semaine, déjà le lundi, on a présenté le thème, on a expliqué un peu ce qu'on allait faire. Et puis, on a vu un peu le programme des appareils, des boîtiers, comment ça marchait, des trucs comme ça, pour prendre des photos. Le premier jour, on s'est tous rassemblés pour faire un brainstorming et pour caler ce qu'on allait faire, quel sujet exactement. Et après, on a organisé notre sortie à Gérone. Et du coup, après les 2 jours, on est allé à Gérone, on a interrogé des gens, on a pris des photos sur le thème de l'indépendance. Jeudi, on est retourné à Gérone. On a eu la chance d'être là lors d'une manifestation. On ne savait pas qu'elle y était. On a eu de la chance. Donc, on a eu des bonnes photos et des bons sujets de travail. Voilà. Y a un groupe qui est allé au Punt pour interviewer quelqu'un. Et un autre groupe deux autres groupes sont allés vers la Generalitat. Donc là, c'est le dernier jour. C'est vendredi et donc aujourd'hui on est en train de faire un tri de toutes les photos et choisir celles qu'on va montrer. Et ensuite on va les légender et faire une petite présentation. Mardi, qu'on découvre les lieux et ce qui se passait. Je sais pas, j'ai tout aimé. L'ambiance, c'est... c'est pas... On est hyper libre, mais en même temps, on a assez pour avoir la liberté d'expression complètement. On n'est pas comme quand on va en cours, comme avec des règles strictes. Et, c'est plus nous qui choisissons où aller, quoi faire, et le résultat aussi, ça donne le meilleur résultat, je trouve. Puisqu'il y avait des trucs que je ne voyais pas de cette façon. Il y avait d'autres points de vue comparés aux autres. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des photos de ce point de vue. Du coup, j'ai pu voir d'autres points de vue des autres personnes. Qu'il faut surtout, même en photo, on peut interviewer des personnes en retranscrivant leurs paroles par écrit en dessous de... Les gens.
On découvre plein de choses qu'on n'aurait vraiment pas découvert, enfin qu'on n'aurait pas fait tout court, nous seuls. Et ensuite, ouais, ça fait une bonne expérience, et même sur le CV ou quoi que ce soit. Du coup, ouais, ça c'est beaucoup d'opportunités. JC, alors, salut JC. JC est très sympa, il nous explique pas mal de choses. On bouge un peu partout, on est assez autonome, donc ça va. Il est cool, sympa, il explique bien. Il nous laisse un peu faire ce qu'on ressent, donc c'est cool. Il nous fait pas trop de barrières. Et puis, il est très pro dans le journalisme, parce que moi, j'avais jamais fait de photojournalisme. Et voilà, c'est compliqué. Il est cool. Et il nous aide bien, donc ça. Eh bien, c'est hyper cool déjà d'avoir un professionnel de la photo. Et je trouve ça hyper intéressant, sa façon de voir ses aides, sa façon d'aider pour comment faire et ses idées, comment il faudrait faire. C'est cool d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre aussi. Franchement, il a été super, il nous a accompagnés sur tous les endroits, en nous donnant des conseils et tout. Ouais, il est super. Et puis il se met à notre place, quoi. Il sait qu'on n'est pas des pros, du coup il est quand même gentil, quoi. Bah, il fait des photos trop belles, trop bien. Il connaît plein de super photoreporters. Et il faut que vous alliez voir ce qu'il fait parce que c'est génial. Jean-Christophe Millet, donc photographe sur la région, donc Perpignan en particulier. Résident actuellement au Centre international de photojournalisme, où je mélange pédagogie et photojournalisme. Tu vois. J'ai eu en charge la réalisation d'un projet photographique avec le service jeunesse de la ville de Perpignan, avec 8 filles du coup. L'idée c'était de travailler sur la transfrontalité, donc la première journée on s'est surtout penché sur la technique d'écriture photographique, avant de décider du sujet, puisque je voulais que ce soit elles qui choisissent leur propre sujet, même s'il y avait une thématique déjà définie. Donc elles ont voulu travailler sur l'actualité et la question de l'indépendance de la Catalogne en Espagne. Donc on part au départ sur, presque 1500 images qu'elles ont commencé par éditer chacune les leurs, pour arriver à 30 pièces, donc on était à peu près autour de 200 images au final. Et le projet est rendu, demandé par le CIP pour l'exposition qui est probablement prévue en janvier, était de 10 images. Voilà, c'était une grosse journée de sélection de photos, plus le travail des légendes qui est nécessaire, un tout petit peu de post-production pour régler 2-3. Je suis franchement agréablement surpris du travail qu'ont fait les filles, parce que ben, le sujet était difficile, c'est de l'actualité, c'est dur de le régler sur quelques jours, il y avait des rassemblements, mais on n'était pas non plus sur des grosses journées de manifestations particulières. Donc oui, contente de leur rendu, surpris aussi parce que certaines ont très vite incorporé des idées que j'essayais de mettre en place, des positionnements, pour certaines ça prend plus de temps que d'autres, et là franchement elles ont été super. Moi ce que j'en retiens c'est que l'équipe était super, les filles se sont... Alors chacune à leur façon, encore une fois, question de caractère, certaines étaient très discrètes et m'ont montré des images que je ne pensais pas voir sortir de leur boîtier. D'autres étaient plus présentes, dans leur caractère, dans présence humaine, et ont été peut-être plus discrètes sur les images, mais ont plus travaillé sur le texte. C'est ça qui est intéressant quand on travaille en groupe, c'est que j'ai tendance à dire que réaliser un photoreportage seul, au final, quand on a les clés, c'est facile, quoi. Réaliser un photoreportage en groupe, c'est beaucoup plus technique, parce qu'il faut savoir qui se met où, qui fait quoi, bien savoir accepter de un peu d'humilité, se mettre à hauteur de l'autre et accepter des fois de poser le boîtier pour écrire. Et je ne sais pas si elles arrivent à retenir 3 points importants qui étaient la question du cadrage, d'accepter de sacrifier certaines belles images au profit de l'histoire. Et ça, c'est souvent le plus dur. On l'a vu surtout aujourd'hui sur l'éditing. Quand il y a 3 photos qui sont belles et que finalement elles racontent la même chose, qu'est-ce qu'on fait ? Un truc que j'aimerais beaucoup rajouter, il y a pas mal des filles du groupe qui m'ont parlé de leur intention future de peut-être faire du journalisme. Alors je ne sais pas si elles voudront le faire de façon plus ponctuelle en tant que correspondant local ou de façon plus professionnelle en tant que vrai photojournaliste ou simplement journaliste, peu importe. Et j'ai envie de leur dire, prenez le temps que ça vous prend.
comprendra, mais faites-le. Parce qu'il ne leur manque pas grand-chose, elles sont en pleine dedans, elles ont la fougue, mais il y a un moment où la réalité les rattrape et elles se disent que peut-être il y a d'autres choses à faire avant. Mais c'est pas grave, faites-le avant. Finalement, c'est mon histoire aussi. Quoi. Donc faites-le avant et puis à un moment donné, gardez en tête que c'était ça votre but principal et vous finirez par faire ce que vous vouliez faire. Alors, Bénédicte Vincent, médiatrice au Centre international du photojournalisme de Perpignan. Alors, nous entamons aujourd'hui notre deuxième résidence photo avec le service jeunesse de la ville de Perpignan. On est financé par le ministère de la Culture pour permettre aux jeunes d'être éduqués à l'image. Donc nous avons fait un appel à candidature pour trouver le photojournaliste. Nous avons, avec un jury, défini des critères et choisi J.C. Millier. Avec le service jeunesse de la ville de Perpignan, on a sélectionné des enfants qui avaient déjà assisté aux ateliers au club photo. Et ils avaient un niveau d'expertise assez intéressant, ce qui fait que ça nous a permis d'aller assez rapidement dans le vif du sujet, puisque sur cette résidence, nous n'avions que 4 jours de réalisation. Ils ont réussi à mettre en place un reportage de qualité de 25 photos. Je dirais, on n'a pas, ça ouvre d'énormes opportunités. Et puis, en fait, l'avantage de ces clubs, c'est que c'est pas à l'année. Donc, on peut vraiment. C'est pas à l'année, donc il n'y a pas d'obligation de venir toute l'année. La lluna, la bruna i la fortuna de ser tots al sant. La nostra... Merci Amine. T'as intérêt à le mettre. Tu vas pas le mettre, mais t'as intérêt. Hein? J'espère que c'est pas toi qui prends le montage. Hein?